Gare de l'Est en juillet dernier, Kélia Paulin reprend une chanson de Bruno Mars en créole et crée le buzz sur les réseaux sociaux. C'est chez elle que tout a commencé pendant le confinement. En manque de la Martinique, elle se met à revisiter des standards de la musique antillaise. J'étais vraiment dans une nostalgie indescriptible et ça a été très naturel. Au début, il n'y avait pas forcément de projet. Avec les retours, j'ai eu envie d'en refaire une autre. Et cette fois-ci, j'ai un peu changé d'angle en me disant, en fait, si je revisite, il faut que je revisite à ma manière. Le projet Créole Cover est né. Kélia reprend des chansons de Mario Canonge, de Cassave ou de Paille, avec l'objectif de valoriser la langue créole. Le créole, parce que c'est ma deuxième langue maternelle, parce que c'est une langue qui, à tout moment, peut disparaître si on ne la parle pas, si on ne la met pas en valeur. En fait, je prends soin, dans mes vidéos par exemple, de l'écrire et de le traduire. Depuis 2 ans, Kélia Paulin fait partie des musiciens du métro. Elle a été sélectionnée et peut ainsi se produire sur une scène plus que particulière, fréquentée chaque jour par des milliers de personnes. J'ai passé les auditions des musiciens du métro pour aussi me faire violence, parce que je suis quand même de nature assez timide. Et c'est vrai que le fait que les personnes ils passent leur chemin, ils écoutent s'ils en ont l'envie, il n'y a rien d'obligatoire. Et voilà, j'aime bien cette petite ambiance. C'est quelque chose de très agréable mélodiquement. C'est gentil. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci. Une mazurka en créole dans les couloirs du métro, de quoi redonner le sourire et même faire danser certains passants à qui cela rappelle des souvenirs. Je me suis arrêtée tout de suite parce que oui, effectivement, ça m'a interpellée. Elle est vraiment belle cette chanson et c'est du temps, c'est toute ma jeunesse en fait. Elle nous voit au top. Hein. Allez, au revoir. Bonne continuation. Je viens chercher du sourire, c'est beaucoup de bienveillance finalement et je repars toujours hyper satisfaite. Dans le public ce jour-là, sa maman et son oncle qui l'accompagnent dans ce projet depuis le début. Ils assistent à sa dernière prestation dans le métro, car une nouvelle aventure l'attend, en Martinique cette fois.